Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphirot et compagnie. Je reviens vers vous parce que j'ai eu à cœur de poser une question par rapport à un certain nombre de personnes que je croise en ce moment, des gens qui sont sur des chemins vraiment de belles avancées, qui travaillent sur eux, qui... Et puis, oh, en ce moment, il y a des vents contraires, on va dire. En tout cas, il y a des blocages, il y a des sortes de... alors parfois, de sensations de retour en arrière, des choses qu'on avait pu, pour ainsi dire. Bien sûr, c'est selon les signes, etc. Mais j'ai un certain nombre de personnes quand même qui se prennent des choses un peu compliquées. C'est pour ça que je reviens vers vous. J'ai fait un tirage avec en question de fond finalement. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Entre guillemets. Bon, c'est une boutade, vous l'avez bien compris. Mais c'est le genre de choses qu'on peut se dire dans ces moments-là. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou, voilà. Alors que je voulais un petit peu en fait vous aider et pour les personnes qui se reconnaîtront sortir de cette chose-là. Donc voilà, vous donner quelques ce que les cartes me disent aussi et puis ce que moi je vais pouvoir recevoir aussi. Alors, la situation de base sur la ligne des quatre cartes, là, elle est hyper éloquente, hein, parce que je commence avec le 4 de coupe, quand vous voyez la tête, ça vous donne, même si vous ne connaissez pas le tarot, vous imaginez bien quand même, c'est pas le grand bonheur. Le 4 de coupe, c'est cette période où souvent on se met un petit peu en retrait, parce que finalement, c'est bien au-delà de l'ennui, en fait. C'est que c'est comme si à un moment donné, on perdait un peu tous les repères, quoi. Et qu'on se dit, mais c'est pas possible. Où est-ce que j'en suis? C'est le moment où on remet complètement les choses en cause parfois, parce que on a l'impression que la vie elle nous répond complètement à côté de ce qu'on a pu mettre en place, attendre, j'en sais rien quoi. Donc on a besoin vraiment de se régénérer avec cette carte-là, de retrouver finalement un ancrage très très fort et très puissant. Alors j'en profite à propos d'ancrage puisque je suis en train de vous dire ça. J'en profite, je pense qu'en ce moment, et avec les énergies qu'on a, s'ancrer est indispensable. Et je vais même dire, alors surtout pour les gens qui travaillent sur eux et tout, c'est tous les jours. C'est pas optionnel, c'est tous les jours. Refaites du footing, de la marche, du sport. Et vraiment, mais allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez vous le faire avec du yoga, vous pouvez vous faire des exercices très concrets. Je me mets debout, j'imagine vraiment les racines qui me poussent sous les pieds, etc. On a besoin d'ancrage parce que sinon on part très très vite et très très loin. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a cet aspect-là. Quand ça commence à vriller, ça va très vite, très très vite. Donc pour revenir à la terre, on revient. Donc histoire de ne pas trop décoller et de ne pas vous mettre dans des états épouvantables, eh ben, je vous conseille, c'est une discipline, mais allez-y. Voilà, j'ai une amie énergéticienne à qui je suis en train d'envoyer des gens, moi, en lui disant aussi, qui travaille avec une méthode spécifique, et je dis à ces personnes-là, oh, allez-y aussi, ça va vous aider, elle va, voilà, c'est... Une méthode qui travaille vraiment, qui regarde tous les organes du corps individuellement, enfin c'est super, et qui travaille vraiment en correspondance avec ce que le corps dit et exprime. En tout cas, ancrage indispensable. Voilà. En ce moment, vous avez vu au cœur de ces deux, là, les deux cartes, 9 et 10 d'épée. On est quand même sur des choses lourdes, je dirais, mais qui nous parlent clairement d'une fin de cycle. Clairement, clairement, clairement. Alors, ça peut être des revisites. Hein. C'est en ce moment, là, j'allais dire, c'est la spécialité du moment. Allez. C'est vraiment ça. Alors, je vais vous dire, moi, comment j'arrive à garder un peu ma forme par rapport à ce que je vis, parce que ne croyez pas que je sois exempte de toutes ces choses-là. J'ai des revisites, j'ai plein de trucs qui remontent, etc.
Ma manière en ce moment, beaucoup, beaucoup de travailler les choses, c'est d'aller direct sur les émotions. Je ne m'embarrasse pas, je me dis, bon, on ne va pas perdre notre temps, je ne vais pas faire des tours et des tours. Qu'est-ce qui vient me chatouiller et qu'est-ce qui est très compliqué? Et puis en fait, je traite, entre guillemets, les émotions avec beaucoup de tendresse, en les prenant en considération. Je les travaille en énergétique, puisque moi aussi, je fais des gros, gros travails énergétiques. Alors, je fais des gros nettoyages. Voilà, donc je le fais également sur moi. Et puis, je ne me laisse pas démonter. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, je veux conserver aussi mon pouvoir. On va y venir. Mais en tout cas, vous affrontez très probablement des choses qui sont quand même costauds. Le 9, c'est plus spécifiquement des choses que l'on ressasse, des choses ou qui créent de l'insomnie. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent avoir des gros problèmes de sommeil en ce moment. J'en connais même pas mal, qui me disent, mais les nuits, c'est n'importe quoi, un coup ça va, deux nuits à suivre après, c'est la cata, enfin bon. Donc voilà, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de la rumination, il y a beaucoup de décalage, et c'est un rapport aussi très faussé par rapport à la réalité. C'est-à-dire que ça peut nous emmener très très bas, alors qu'il n'y a pas de raison objective, je dirais. D'aller à ce point-là de déprime. Et puis le 10, justement, c'est le moment de la capitulation. C'est ce moment où vous voyez, au lieu d'être par terre, là, en train de se faire bouffer, oui, il y a encore voilà, ces oiseaux au-dessus, mais la personne, elle s'est redressée. On voit poindre, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un peu l'aube, mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et qui va remettre un petit peu tous les sentiments, tout à sa place, je dirais, dans la tête. Parce qu'en fait, le gros problème ici, c'est que c'est une guerre du mental. Ce sacré mental, qui est extraordinaire quand il s'agit, lui, d'être dans l'organisation des choses, mais qui n'a absolument rien à faire dans les prises de décision, etc. Puisque c'est vraiment en lien avec le cœur. Il faut se recentrer sur son cœur. Et alors, c'est ça que je trouve magique et magnifique avec les cartes. C'est ça vers quoi on veut aller avec le cavalier de coupe. C'est repartir à la conquête du monde, mais cette fois-ci avec le cœur. Le cavalier de coupe, il est complètement dans, je sais pas comment vous dire, je ressens une espèce d'ouverture, de générosité avec lui-même, avec un regard sur la vie qui est un regard généreux. Il n'y a pas l'once d'une inquiétude chez le cavalier de coupe, je ne sais pas comment vous dire, c'est une boule d'amour, on va dire. Et puis, c'est au travers de cet amour, des choses fondamentales, véritablement, qu'on va se laisser guider. Alors quand j'ai vu ça, je dis mais oui, trois fois oui à cette carte placée là où elle est, parce qu'en fait votre cœur, il veut dire moi j'ai envie de bénir le monde, j'ai envie de fonctionner avec ce cœur-là, j'ai envie de rentrer finalement dans une espèce de d'incarner, voilà. D'incarner cette personne extraordinaire que je suis, d'ouvrir ce royaume-là. Vous savez, je dis souvent, il faut qu'on soit roi en notre royaume ou reine en notre royaume. Voilà. Donc retrouver sa souveraineté, retrouver son pouvoir, sa position. Le roi de coupe, c'est tout pas le roi, le cavalier, c'est ce vers quoi il veut vous amener parce que c'est le conquérant de ça. Conquérant au sens où il ne transigera pas avec ça. Vous le voulez, la vie le veut, donc ça c'est génial. Ensuite, alors pourquoi est-ce que je vous dis conquête au niveau du pouvoir? C'est parce que là j'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, bah, de toute façon, vous regardez la carte, vous vous imprégnez très très bien de ça. En ce moment, en fait, ça frite très fort. Parce que en nous, il y a ça.
On a cette énergie surpuissante avec, là c'est la force, c'est le fait de vouloir posséder les choses, c'est-à-dire mettre dans la matière, posséder pas au sens comment, négatif du terme. Je veux prendre possession de ce qui me revient. Je veux que les choses, elles se mettent dans la matière. J'ai besoin d'acter. J'ai besoin de me bouger. Et pourtant, on est retenu. Alors, c'est ce que je dis, ce que je ressens souvent, c'est comme si finalement, en ce moment, on avait une espèce d'élastique dans le dos. Alors, on pédale, vous savez, on pédale, on pédale, on pédale, puis derrière, on est comme retenu. On aurait envie d'y aller et d'y aller à 200 à l'heure. Et en même temps, les énergies, ce ne sont pas des énergies qui poussent. Hein. Donc, le roi de bâton au cœur, ça veut dire que on a des ardeurs intérieures qui peuvent être aussi freinées. On est en plein dans le sujet. On est en plein, en plein, en plein dans le sujet. Et c'est cet inconfort profond que l'on est en train de traverser. Avec par moments des trucs, des espèces de revisites, des trucs qui remontent, voilà. Mais en même temps, on se dit, mais moi j'ai un cœur comme ça, il faut que j'y aille, quoi. Et alors de chaque côté de ce grand conquérant-là, j'ai 8 de pentacle et la reine de coupe. Ah, que des énergies aussi de... Alors, celle-là, pas d'action, mais de désir. Celle-là, c'est une montagne de désir ardent. Et puis, elle a besoin et elle a envie que ce désir soit comblé. Donc, il y a quand même une énergie aussi hein, qui veut recevoir. Et ici, de l'autre côté, c'est une énergie qui veut mettre dans la matière, qui veut au contraire être plus active. Qui peut nous parler justement de vouloir re-rentrer en apprentissage, en formation, etc. C'est-à-dire que on a là tout cet aspect, comment dirais-je, ben encore, on le voit d'ailleurs très bien sur cette carte-là au niveau des études, etc. On a tout ce côté à nouveau énergie pour mettre dans la matière, pour ancrer et pour aller vers la réussite d'ailleurs, hein, puisque ce 8, il nous parle aussi d'aller vers ça. En tout cas, d'arriver à un épanouissement extraordinaire et de vouloir vraiment utiliser toutes nos compétences. Voilà. Avec cette carte-là, en fait, c'est je fais ce que j'aime. Donc vous voyez, je veux faire ce que j'aime avec un cœur gros comme ça. J'ai besoin d'exploser cette puissance que je ressens en moi et le tout pour combler un désir ardent. Bon, je pense que mes mots sont suffisamment forts pour vous décrire, pour ceux qui sont dans cet état-là, vous comprenez bien pourquoi ça y a un bis-bis à un moment donné et pourquoi on n'est pas forcément que bien tout le temps. Voilà. J'ai encore deux cartes de Pentacle derrière. Alors, et puis pas des moindres parce que j'ai la reine. La reine de Pentacle, c'est une... J'allais dire, c'est une furie. Je m'entends par là. C'est une femme qui... C'est vraiment la personne qui va mettre dans la matière, qui va se battre, qui est capable d'aller défendre n'importe quel dossier à droite et à gauche. La reine de Pentacle, elle a pas de doute en fait. Donc, je dirais, oui, c'est vraiment une businesswoman. C'est vraiment ça. C'est-à-dire cette femme qui est capable d'aller chercher tout ce qu'il faut comme financement, si elle a besoin pour un projet, d'aller défendre son projet, de l'exposer devant 200 personnes s'il fallait, devant... Il n'y a pas de... Elle n'a pas de... Comment dire? Tout est possible dans sa tête. Résultat des courses, vous voyez un peu l'engin, quoi. C'est quelqu'un qui pourrait... Enfin, oui, quand on la voit débarquer dans un bureau, on se dit waouh, là, ça va, on va pas s'enquiquiner avec elle. Elle vient, elle sait ce qu'elle veut, elle y va, etc. Et de l'autre côté, j'ai le 9 de Pentacle, donc la suite du 8 qui nous parle là de réussite
complète et totale, et d'avoir vraiment la satisfaction, la récolte de ce que, de tout ce qu'on aura pu mettre en place. Donc en fait, là, il y a une abondance qui arrive. On en arrive aussi à une phase de grande sécurité. Alors, on va arriver au moment où on va se rassurer. Mais vous voyez qu'en fait, il va falloir oser, et puis il va falloir aller défendre notre truc copieusement, avec tout le charisme que, et toute l'assurance dont on est capable de faire preuve. Regardez la dernière carte, c'est la seule arcane du jeu. Je me disais, c'est impressionnant ce tirage, en même temps super intéressant, mais tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'arcane majeure. Non, parce que j'ai compris pourquoi. La chose sur laquelle on nous fait travailler, c'est sur la force. On a besoin. Je sais plus, je le disais dans une vidéo relativement récemment, où je disais, on ne peut pas nous envoyer sur des missions avec des responsabilités lambda, alors que nous, on ne peut pas les assumer. Ça servirait à quoi? C'est-à-dire qu'on nous demande un ancrage, il faut qu'on devienne des piliers. Des piliers. Des gens sur lesquels on sait, les personnes autour aussi ressentent bien évidemment, hein, qu'ils peuvent complètement se, comment on appelle ça, se reposer parce qu'on a les épaules pour faire ce qu'il y a à faire. Quels que soient les projets, quels que soient. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux aussi bien, hein, parce qu'il y a des gens qui auront peut-être envie de s'engager, mais avec vous, mais que à condition que qu'ils vous sentent vraiment effectivement suffisamment ancrés. Ça peut bien évidemment concerner le domaine spirituel ou professionnel ou matériel si vous avez un projet d'achat ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment, allez, on s'ancre. Moi, j'aime bien le degré de la force, c'est le degré 11. C'est le kaf, ou le raf en hébreu, ce qui va concerner la main. Ça veut dire koar en hébreu, qui veut dire la force, justement. Et on retrouve dans cette lettre-là, cette nécessité d'aller s'interroger finalement sur comment, pas de s'interroger, je veux dire de mettre les choses en action avec l'idée de la main, l'idée de donner, l'idée de recevoir. Donc la force aujourd'hui, c'est une force qui doit être une force qui va devoir être une force agissante. On va plus pouvoir se contenter des paroles, on va plus pouvoir se contenter de. Il y a un moment donné, on ne pourra plus justement avoir les questions. C'est pour ça que je pensais aux questions, mais non. La phase question, c'est maintenant. Après, il n'y en aura plus. Une fois qu'on va démarrer sur certaines choses, en fait, ça ne veut pas dire qu'on se posera plus jamais de questions, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais vous avez bien compris, il y a au niveau de notre ancrage, il va falloir qu'on soit très que ce soit clair. Parce qu'une fois qu'on aura démarré, ce ne sera pas le moment de se dire, ah bah oui, mais vraiment, est-ce que en fait c'était bien ma place? Ben non, il fallait réfléchir avant. Voilà. Et alors, regardez, autre arcane majeur que j'ai eu en dos de deck, j'ai le monde. C'est-à-dire arcane donc de la réalisation totale et complète, c'est-à-dire que ce qu'on vise là et ce pourquoi on est en train de nous préparer, pour moi la carte du monde ici, c'est aspectée de cette manière-là. Elle nous parle pas d'une fin, elle nous parle au contraire d'aller rechercher peut-être des missions de vie, peut-être des choses que vous attendiez dans votre vie depuis hyper longtemps. Et puis vous vous disiez, mais c'est pas possible quoi, avec tout ce que j'ai travaillé, est-ce que ça va venir un jour? Eh ben oui. Donc vous voyez qu'on est en même temps sur des choses qui sont très copieuses. C'est logique, je dirais, qu'on réclame beaucoup de nous. Et puis alors, je peux vous témoigner aussi d'une chose, c'est qu'en ce moment, il y a de ces nettoyages. Donc pour toutes les personnes qui font le travail, c'est énorme. Allez voir, si vous ne vous occupez pas de vous à ce niveau-là, c'est vraiment le moment. Je le dis et je le redis parce que j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. On a à la fois un moment difficile à passer, mais en même temps, c'est une pluie de bénédictions. Et quand je dis une pluie, c'est extraordinaire. Et si ça tombe sur moi, c'est pas que sur moi, c'est forcément sur vous aussi. Il y a des guérisons,
il y a des comment des situations au niveau psychologique aussi. Il y a tout un tas de découvertes qui sont faites. Il y a des dons qui pleuvent. Il y a plein de choses qui arrivent dans la matière. C'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, je me dis vraiment, ouais. Je trouve que. Et faites-vous aider, hein. Mais faites-vous aider, vous allez voir comment vous allez booster. Mais ne restez pas seul, parce qu'effectivement, la contrepartie, on nous oblige à travailler en ce moment, entre guillemets. On nous oblige. Alors, ceux qui ne le font pas, eh ben oui, enfin, je les plains, parce qu'effectivement, je pense que là, ça doit être super compliqué. Et j'ai la carte, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ça résume super bien ce que je disais au tout démarrage. Avec ça, vous avez et nous avons tous besoin de nous ancrer tous les jours. Donc, reconnectez-vous à fond à la nature aussi et puis retrouvez cette puissance. C'est un très très bon résumé de ce que je disais au début. On va prendre une carte des chemins de l'éveil aussi pour comment compléter ce très beau tirage. Enfin, pour toutes les personnes là, qui en ce moment rament et puis qui ont des espèces de blocages, de. Ah, j'espère que ça va vous faire. J'ai la carte du masque. Ouais. Bon. Excusez-moi, parce que d'un seul coup, c'est le fou rire qui me prend. Bon, voilà. Vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Parce que en plus, je viens de poster hier, pas plus tard qu'hier, une vidéo sur ce fichu masque. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, je vous invite à aller la voir. Hein, parce que. Ce que je vous dise, le masque ici est bien évidemment en dehors du contexte qui est le nôtre. Le masque, c'est toute cette carte-là qui nous dit arrêtez de vous cacher aussi. Hein. Bon, je vais malgré tout le reprendre, mais parce que justement, à l'aune de ce qu'on est en train de vivre là avec cette aberration. Je vais comment relire ce poème. Le monde et ses mystères, perpétuelle mutation où l'on opère magique alliance de l'âme et de matière, la vie pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation et l'abondance, où l'esprit saint et sa prestance. De la valeur pour ce qui peut se voir, une limite au cœur sur ce qu'il sait entrevoir. Le masque est social, évite la transparence. L'homme, maîtrise ultime de l'apparence, je dis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant explose l'artifice, abat l'édifice, prends conscience de l'instant, de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il entre ce fabuleux toi et cette merveilleuse toile inachevée qu'est l'univers? Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les, il te suffira pour cela, tout simplement. D'exister. Alors moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on est en train de vivre, vous voyez, parce que à nouveau, ben, on le redit quoi. Le masque aussi, c'est ce masque social, c'est-à-dire l'imposition de ce bout de tissu inique qui n'a, on le sait aujourd'hui, aucun intérêt. D'un point de vue sanitaire, mais qui répond à des besoins économiques de se débarrasser maintenant des entrepôts de masques et voilà. Eh bien, ce que je souhaite là vraiment redire à nouveau, c'est que c'est une invitation
un peu appuyé quand même de l'univers, de franchement, qui nous dit, qui nous redit, qui nous re-redit, arrêtez quoi. Mais arrêtez avec cette histoire-là. Je pense aussi que ce masque-là, c'est symboliquement, c'est très fort parce que c'est l'imposition de notre impuissance. On nous impose justement cette impuissance. On nous dit, vous êtes impuissant. Alors là, le fait de nous bâillonner, hein, parce que c'est ça, le fait de nous bâillonner, de nous masquer, de nous cacher. Bon, on jouait toujours sur les machins de la peur, etc. En tout cas, si vous voulez, cette carte-là qui tombe aujourd'hui, bah, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est incroyable. Je viens de faire quelque chose hier sur le sujet, mais allez le voir, hein, parce qu'en plus, c'est dans le titre. Donc, j'ai clairement dit de quoi je parlais dans la vidéo. C'est énorme parce que c'est comme si on nous disait, par rapport à tout ce que vous avez à exprimer là, par rapport à tout ce que vous avez à dire, à faire dans votre vie, mais arrêtez avec ce truc-là. Hein. Bon, moi je vous cache pas, de toute façon, je suis allée marcher encore 10 km ce matin, ben, j'ai pas mis le masque, hein, c'est hors de question, je vais pas faire ça, c'est absolument hors de question. Donc, je sais pas, je pense que derrière ça, il se cache une symbolique très très forte, parce que l'univers est quand même en train d'appuyer énormément là-dessus avec moi, et de me dire, Véronique, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà. Vous me direz comment vous le ressentez. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de pays qui disent c'est n'importe quoi, et il y a pas mal de personnes qui sont dans ce refus-là, et de se dire non, il y a un moment, il faut arrêter. Faut arrêter. Donc, j'attends de voir un petit peu aussi si j'ai des réactions, parce que finalement, j'ai pas eu de commentaires non plus par rapport à la vidéo d'hier sur le sujet. Si ce n'est un lien vers, effectivement, un lien fort à propos d'ailleurs, hein, sur ce que disent les médecins. Enfin, un médecin, mais il y en a plein de toute façon. Pour ceux qui cherchent sur Internet, on trouve pléthore de choses. Alors. Donc ici, on est sur un 24 lumière. Oui, c'est celui-là. Oui. Je vais aller voir pour finir avec celui-là. Parce que les couleurs, moi, Oh, je trouve qu'elle parle, elle parle. L'analyse. La conscience de se raconter des histoires avec habileté. On vous dit comment déjouer votre mental. Réalise ses rêves, se donne les moyens d'y croire. La lutte entre les idées fixes et la bonne conscience. Le grand nettoyage sur les idées fausses qui encombrent l'esprit. C'est extraordinaire, je trouve. C'est fabuleux. Le jeu théâtral, la mise en scène, la comédie, le fait de faire semblant. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'on est là-dedans. Si vous voulez, ce grand théâtre-là. Avec les gens là qui sont tous avec leur truc devant le nez, alors qu'on sait que de toute façon c'est parfaitement inutile, c'est une scène de théâtre. Mais un théâtre dans lequel les figurants se plient à un jeu complètement qui n'a aucun sens. Aucun sens. Et donc en fait, vous voyez, la conscience de se raconter des histoires avec habileté, moi je trouve que c'est encore un. Incroyable ce que les cartes nous disent, quoi. Accepte de regarder la réalité. Le fait d'accepter évite de tomber dans des pièges. Ben oui, voilà. La vérité mise à nu, les faits sont là, indiscutables. La phase terminale est la fin d'un cauchemar. Bon, ben voilà. Alors, vous regardez toutes ces choses-là, mais je me dis. Perçoit en jeu le jeu du en détail le jeu du mental avec ses projections, ses contradictions, ses pièges et ses attentes. C'est pour moi une espèce de grande mascarade. C'est pour ça aussi que ça me fait éclater de rire.
quand je me connecte à ces choses-là, je me dis, mais la vie a un humour incroyable. Elle sait nous dire les choses avec tellement de, comment dire, tellement d'intelligence, d'habileté, d'assurance. Et vous savez, cette étincelle divine, cette conscience divine, on emporte chacun un bout en nous. Chacun, on a un bout de cette conscience divine en nous. Et je pense que on nous demande de nous reconnecter urgemment à ça pour pas devenir des abrutis complets, quoi. Je m'excuse du terme, en tout cas se comporter comme tel. Mais je crois qu'il y a vraiment besoin d'un gros gros sursaut avant qu'effectivement et un sursaut qui soit plus que dans les consciences, un sursaut qui soit dans les actes. Parce qu'il y a combien de personnes qui savent ces choses-là? Alors, bien sûr, il y a toujours ceux qui de toute façon veulent rien entendre, rien savoir et qui veulent juste suivre ce qu'on leur dit de faire. Bon, je respecte, c'est pas ma vie, mais je respecte. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont au courant de toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on acte? Qu'est-ce qu'on met dans la réalité, dans les faits, pour renoncer à toute cette bêtise et surtout, plus grave, à rentrer dans un jeu excessivement pervers qui vise, qui a des visées d'annihilation complète, hein, de l'intelligence, de la liberté, de tout ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, mais je pensais pas retomber là-dedans, mais du coup, quand j'ai vu la carte du masque tomber, bon ben voilà quoi. En tout cas, on n'empêchera jamais les arbres de nous parler, de nous dire tout ce qu'ils ont à nous dire. Donc j'espère qu'ils vont nous souffler du courage, un vrai message de liberté, de plein d'amour et de, comment on dit, d'espoir pour ces prochaines semaines, ces prochains mois qui arrivent. Je vous embrasse tous bien fort, je vous bénis abondamment et je vous dis à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye!